première patineuse du dernier groupe. Croyez-moi, même si pour le titre européen, le duel qui va opposer Bonali et Baiul est tout à fait ciblé. En ce qui concerne la troisième marche du podium, elle est vraiment ouverte. Triple Ribert pour Maria Butyrskaya. Splendide et triple salchow. Triple Rydberg en combinaison maintenant, sans faute pour Maria Butyrskaya. Très bon programme, le meilleur pour l'instant. Et avec le dernier groupe, ça ne pouvait mieux commencer. Superbe programme. Maria Butyrskaya. Elle patine pour la Russie. Musique de Kumara. Nous a porté dans le vieux Japon. On revoit le triple salchow. Très haut, très tendu, très bien. Et elle a vraiment pas mal de temps pour délier la jambe libre et se mettre dans une très très belle position. De loin, le meilleur programme que nous ayons vu pour l'instant. Elle est née à Moscou, 1m60, 48 kg.
triple Rydberg au ralenti. Rien à redire sur son programme. Rapide, des sauts très hauts, très longs et d'excellentes pirouettes. Tout y était. En plus, depuis l'an dernier, elle a posé son patinage. Il a fortement travaillé ses mouvements de bras. Alors, elle va prendre la première place provisoire, ça c'est sûr et certain. 5-5, 5-6 et un 5-4. Très bonne première note pour Maria Butyrskaya, qui devrait avoir un tout petit peu plus de place. Elle se demande quelle caméra regarder, parce qu'il y a la caméra, bien sûr, de la télévision danoise, qui nous permet, via l'Eurovision, d'avoir des images. Puis il y a les Canadiens, et puis il y a encore d'autres caméras, donc c'est pas très bien regarder. Peu importe, elle est première, Maria Butyrskaya, l'unanimité dans les premières places. Et voici maintenant Souria Bonaly. Souria Bonaly, championne d'Europe en titre. Elle monte sur la glace pour essayer d'être sacrée